Alors, il vous attend, c'est porte 206, deuxième étage à droite. Là-bas ? C'est ça. D'accord. Je vous donne la petite brochure contre le racisme. Non, merci. Avec plaisir, bon après-midi. Avec plaisir, bon après-midi. Donc, on va recommencer, Dounia. Mais cette fois, n'oublie pas quelque chose de très important. C'est le sourire. Non, mais c'est bon, ça va, on a compris, ça fait 10 fois qu'on le fait. Bon, Dounia, s'il te plaît. T'as compris ou t'as pas compris ? Ah, moi, j'ai compris. Hein. Oui, mais on va recommencer du début jusqu'à... Ok. Bonjour. 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 Arrêtez les simagrées, s'il vous plaît, arrêtez les simagrées. Bah, quoi ? Avec le sourire. Oui, c'est très drôle. Tout le monde rit, c'est très bien. On prépare un examen, là. Allez, on y va. Bon, d'abord, tu mets ton dos contre ce dossier et tu te tiens correctement. Voilà, merci. Donc, vas-y, là, qui dois-je annoncer ? Non, tu lui rentres dedans, tu lui mets des bâtons dans les roues, tu lui crées des problèmes. Il faut qu'il y ait un conflit. Ah ouais, je veux pas un rendez-vous, je veux le voir maintenant. Je gère, je reste calme. Alors, écoutez, madame, ça va pas être possible. Parce que... Pourquoi tu jettes le truc, là ? J'ai pas fait exprès. Bon, ça, t'as pas fait exprès, j'étais bien vu. J'ai pas fait exprès. Déjà, crie pas, parce que moi, tu vas faire quoi ? On arrête, on est en train de jouer, c'est pour de faux. Vous arrêtez, c'est pour de faux. Avec toi ? C'est pour de faux. Bah oui, c'est pour de faux. Tu retournes à ta place. Tu retournes à ta place, j'espère. Et toi, Dounia, tu prends sa place. Allez. Donc, bonjour, que puis-je faire pour vous ? Alors déjà, la base, vous avez oublié quelque chose. C'est inadmissible, d'accord ? Je crois que vous avez oublié le smile, hein ? La base, c'est la base. Tu te calmes, tu n'as pas à me parler comme ça. Le respect, il est mort. Parce que vraiment, t'avais tout pour l'avoir, cet examen d'hôtesse, mais t'as pas envie, donc on passe à deux autres. Va t'asseoir. Non, mais cet examen d'hôtesse redescend. Ma mère, elle est hôtesse, elle a pas eu besoin de ton examen de merde. Ah oui, et qu'est-ce que tu veux faire, tiens, dans ta vie ? J'aimerais bien savoir. Toi ? Bah, comme tout le monde. Money. On n'est pas un concert ici. C'est justement ce que je te propose, moi, de faire de la monnaie, comme tu dis. Ah ouais ? Parce que toi, t'en as vu beaucoup des millionnaires qui font BP à Kay. Y a plein de gens très bien qui le font. Mais c'est pas des millionnaires, comme vous êtes pas des millionnaires. Mais ce que tu comprends pas, merde, c'est que j'essaye de vous aider. Mais nous aider à quoi ? Nous aider à être des darbons de la société, c'est ça ? Mais les règles, c'est essentiel. Mais comme tu t'as une tête butée comme ça, tu veux rien apprendre, et ben t'arriveras jamais à rien dans ta vie. Allez, va t'asseoir. Parce que toi, t'arrives à quoi dans ta vie, toi ? T'arrives à quoi dans ta putain de vie, toi ? Hein ? Regarde ta gueule, regarde tes fringues. Bon, maintenant, tu vas chez le proviseur, j'en ai marre. Eh, à tout casser, vas-y, tu sais quoi ? Tu gagnes combien ? 1500 euros ? 1003 ! T'enlèves 800 euros de loyer. T'enlèves 300 euros, là, toutes tes courses chez Leader Price, parce que Mskina, elle a pas l'argent pour aller à Carrefour. 100 euros ! 100 euros, là, ton EDF GDF. 20 euros ton abonnement chez Free, avec tous tes voyages là, au l'inclusive lastminute.com en Turquie. Tu dégages ! Il te reste quoi ? Tu dégages ! Alors ils vont pour aller comme ça, sa pop. Comme ça la meuf, elle a que dalle ! Mais moi j'ai pas envie d'être comme toi. Moi j'ai pas envie de manger, j'ai de la fierté. Je veux plus te voir, tu sors de ma classe, putain ! Mais la vie de ma mère, la vie de ma mère, que un jour, ben, je me ferai plus de thunes que t'en as jamais rêvé de toute ta vie. Toute ta vie, t'en auras jamais rêvé, même dans tes rêves les plus profonds. Et tu sais quoi, là, plus jamais je rentre dans tous ces merdes là. Tu vas voir.